Salut tout le monde, et oui, le grand moment est enfin arrivé, c'est la reprise de Côté Comics. Vous avez passé de bonnes vacances? Tant mieux, nous aussi, à peu près. Alors au sommaire du jour, actu est sortie de la semaine avec Julien, bien évidemment. Ensuite, on va vous présenter un micro-trottoir du Comic Con, parce que vous l'avez peut-être raté, or qu'il fallait pas le rater. Et enfin, je vais vous parler des comics Glénat, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Donc, un petit tout sur les comics Glénat. Et on commence tout de suite. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Côté Comics. Alors nous avons raté plein de choses pendant les vacances, c'est donc le moment de se mettre à jour et on commence comme à l'accoutumée avec du cinéma. En juillet s'est déroulée la grande convention de la Comic-Con de San Diego et comme chaque année, nous avons eu le droit à de grosses annonces. La plus importante sûrement est venue de la part de la Warner Bros. Concernant Man of Steel 2, qui existera bien, mais qui ne sera pas Man of Steel. À la place ce sera, attachez bien vos super ceintures, Superman, Batman. Et oui, le Chevalier Noir fait son retour et la Warner va le mettre à côté de Superman pour ce prochain opus. Henry Cavill reprendra le rôle de Superman, Zack Snyder sera toujours aux commandes et le film est prévu pour 2015. Concernant Batman, aucun acteur n'a été choisi pour l'instant, mais on est sûr en tout cas que Christian Bale ne reprendra pas son rôle. On vous annonçait à l'instant qu'aucun acteur n'avait encore été trouvé pour le rôle de Batman. Eh bien, ça a changé depuis l'enregistrement de l'émission. La Warner Bros. A officiellement annoncé que Ben Affleck sera le prochain Batman. L'acteur, ayant déjà interprété Daredevil, sera donc aux côtés de Henry Cavill dans Man of Steel 2 et aurait signé un contrat pour plusieurs films. La Warner lâche une bombe d'un côté, Marvel riposte de l'autre, évidemment. Lors de cette Comic-Con a été annoncé le titre d'Avengers 2, il s'agit de Age of Ultron. On connaît donc le vilain de cette suite, Ultron, l'intelligence artificielle créée par Hank Pym et ennemi récurrent des Avengers dans les comics. On sait par contre que Hank Pym, lui, ne sera pas dans le film et qu'il ne sera sûrement pas le créateur d'Ultron. Age of Ultron, c'est aussi le nom d'une histoire récente dans les comics, dont le film ne s'inspirera pas, il reprend simplement le titre. Et d'ailleurs, on en reparle juste après, puisque ça arrive en France. Cinéma et Marvel toujours avec cette fois la Fox. Après Wolverine, le combat de l'immortel, c'est les X-Men au grand complet qui reviennent avec X-Men Days of Future Past. Ça, on le savait déjà, ce qu'on ne savait pas par contre, c'est à quoi ressemblaient les Sentinelles, qui feront partie du film. Elles ont été dévoilées à la Comic-Con de belle manière, avec une jolie campagne virale autour, un pic au Trask Industries, notamment les créateurs de ces Sentinelles. Et ça va déboîter sévère. On a aussi eu les premières images des acteurs en costume, et on a ainsi eu la confirmation que le français Omar Sy interprétera bien le X-Men du futur, Lucas Bishop. Côté film d'animation DC, c'est le reboot qui pointe déjà le bout de son nez, puisque le prochain film a été annoncé et qu'il sera l'adaptation de la toute première histoire de ce reboot, à savoir le premier arc de Justice League. Ce récit narre la formation de la Justice League et sa bataille contre le terrible Darkseid. Le film s'intitulera Justice League War. On passe aux séries TV, la grosse info concerne Euro, la série de la chaîne CW consacrée à l'archer vert Green Arrow, qui débutera sa deuxième saison à la rentrée. Les producteurs ont annoncé que le personnage de Barry Allen, le plus célèbre Flash des comics, fera son apparition dans la série. Et ce, dans le but de tâter le terrain pour un futur lancement d'une série Flash. L'actu comics maintenant et la rentrée va être un tournant décisif pour l'univers Ultimate de Marvel, qui est en grand danger. En effet, en novembre prochain démarrera la mini-série Cataclysme, qui verra l'univers Ultimate au bord de la destruction et qui pourrait bien mettre un terme aux publications de cet univers alternatif, créé en l'an 2000 pour attirer un nouveau lectorat avec des histoires plus contemporaines. Un événement qui sera donc à ne pas rater. On finit du côté DC avec l'annonce de deux nouvelles séries pour la fin de l'année. La première est consacrée au couple numéro 1 de l'univers DC, à savoir Superman et Wonder Woman, par Charles Soule et Tony Daniel. Et la seconde a un des personnages préférés des fans, Harley Quinn, par l'équipe d'Amanda Conner et Jimmy Palmiotti. Passons tout de suite aux sorties comics de septembre. On débute avec l'arrivée du premier event Marvel de 2013, dont je vous parlais juste avant, à savoir Age of Ultron. Cette histoire en 10 numéros nous plonge dans un univers Marvel sous la domination totale du robot Ultron et de son armée, qui ont pris le contrôle de la Terre. Les super-héros sont donc traqués et se cachent pour survivre, mais vont bien devoir passer à l'action s'ils veulent sauver leur monde une fois de plus. Un récit de Brian Michael Bendis, Brian Hitch et Brandon Peterson. Le premier magazine qui sort le 3 septembre contient les deux premiers numéros de cet event, qui risque de décevoir un peu sur le long terme, mais qui en tout cas commence très fort. Une autre grosse histoire un peu indépendante arrive chez Panini Comics, Daredevil End of Days. Il s'agit de la toute dernière histoire de l'homme sans peur. En effet, on se situe dans le futur où Daredevil et le Kaïd sont tous les deux morts. On suit alors le journaliste Ben Urich, qui doit revenir sur l'événement en question, et écrire un article sur les secrets de Matt Murdock. Une histoire passionnante mais aussi très sombre et violente, de toute beauté graphique à ne surtout pas manquer pour tous les fans du personnage, par Brian Michael Bendis, Klaus Johnson, David Mack et Alex Maleev. Le premier tome qui contient 4 des 8 numéros sort le 11 septembre.
Septembre sera aussi le mois de la sortie du nouveau tome de la série Walking Dead, ce qui est toujours un événement. Ce sera déjà le 18, qui s'intitule Lucie. La communauté de Rick est maintenant soumise à l'autorité du nouveau venu Negan et des siens. Rick semble l'accepter à contre-cœur, mais ce n'est pas forcément le cas de son fils, Carl, qui tente de prendre les choses en main et va se mettre à plomb en danger. On doit toujours la série aux deux auteurs Robert Kirkman et Charlie Adlar pour une sortie le 4 septembre. Encore beaucoup de belles sorties en septembre que l'on verra dans les prochaines émissions. Pour l'heure, je vous souhaite une joyeuse rentrée à tous, enfin en tout cas une bonne rentrée joyeuse, je ne sais pas si elle sera trop joyeuse. On se retrouve pour la prochaine émission et d'ici là, n'oubliez pas de nourrir votre poisson rouge. Depuis 5 ans maintenant, en marge de la célèbre Japan Expo se déroule la Comic-Con de Paris, le plus grand événement européen portant sur les cultures geeks. Cette année encore, une partie du parc des expositions de Villepinte a été envahie par les fans de comics, jeux vidéo, séries TV et autres univers fantastiques. Au programme, une allée des artistes avec de grands noms américains, des conférences et concours de dessin, la présence des éditeurs français de BD, de nombreux stands tenus par les sites web et associations françaises dédiées aux comics, et bien évidemment, les traditionnels et immanquables cosplays. Nous en avons donc profité pour faire le tour de cette convention et recueillir les avis des visiteurs sur cette 5e édition. Moi, ce que j'adore, c'est les déguisements. C'est le truc que je trouve excellent, les gens, leur création, l'originalité, revoir des personnages qu'on a vus dans les bouquins et les voir en vrai. C'est sympathique, beaucoup de cosplayers cette année et une bonne ambiance surtout. Le Comic-Con était plutôt sympa, même si ça manquait un peu de, je sais pas, d'animation de comics, des choses comme ça, des conférences et tout. On s'éclate toujours autant sur le festival, il n'y a vraiment aucun souci. Et l'orga est toujours au poil, donc on n'a aucun souci. Franchement, ce Comic-Con, il est vraiment génial. C'est super bien et je suis déçu de ne pas avoir pris un pass 4 jours. Parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Très sympa, une bonne ambiance, plein de choses à découvrir. Ça... Je reviendrai. J'ai bien aimé tout. Une belle rencontre en tout cas. Pas mal de cosplay comics, c'était très sympa. Le Comic-Con, c'est la première fois que je viens et je trouve ça vachement bien. Ça manque peut-être un peu de comics. Mais bon, l'ambiance est sympa, il y a des costumes qui sont vraiment impressionnants. Donc perso, je reviendrai l'année prochaine sans aucun problème. Ça fait vraiment plaisir d'être là pour la Comic-Con 2013. Je suis juste un peu désolé qu'on soit un peu repoussé vers le mur du fond. Je pense que la Japan devrait faire un petit peu plus de place aux comics. C'est quoi le Comic-Con 2013? Super, génial, cool. C'est un événement unique quoi, et c'est cool. Pour commencer cette nouvelle saison, on va parler d'un éditeur français dont on ne parle pas souvent, à savoir Glénat. Bon, beaucoup de monde connaît Glénat, mais souvent grâce au manga en fait. One Piece, Bleach, Claymore, tout ça, tout ça. Mais c'est rarement grâce aux comics. Comme d'habitude, je ne vais pas parler de tous les comics Glénat, ça sera bien une petite sélection. Et on va attaquer avec un coup de cœur de l'équipe, Fine Boys vs Zombie. C'est vraiment un gros comics what the fuck. Le synopsis de base part de lui-même, c'est une bande de geeks qui vont à la Comic-Con et qui se font attaquer par des zombies. Lorsque l'on sait que les geeks et les zombies sont à la mode, ça ne peut que plaire. C'est un comics vraiment très 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 intéressant. Petit deuxième, on va rester dans l'horreur avec End de Stephen King. Cette fois, pas de décalage au niveau de l'histoire, mais bien du sérieux. L'histoire tourne autour d'un monument mégalithique très très spécial, un monument terrible et étouffant. End a beau compter, c'est le personnage principal. Un coup il y a 7 pierres, un coup il y en a 8, ça change à chaque fois. End n'arrive plus à vivre normalement, ce mystérieux monument l'obsède et l'angoisse chaque heure un peu plus. Sa santé mentale commence à vaciller, des tocs l'envahissent, Ed décide finalement d'aller consulter pour lui raconter tout son délire. Et voilà, ça y est, la contamination peut commencer. C'est vraiment un très bel ouvrage qui, comme les scénaristes le disent, ne se lit pas mais se vit. Avis aux fans de Stephen King. Comics suivant, on va parler de Wolfman. Bon, je passe rapidement dessus parce que j'en ai déjà parlé. Alors, il est scénarisé par Robert Kirkman, le créateur de Walking Dead entre autres, et Hoffman raconte l'histoire de Gary Hopton qui se transforme en loup-garou suite à une malédiction mais qui ne veut pas vraiment faire le mal pour autant. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il devient une sorte de super-héros loup-garou. Bon, Kirkman ou pas, ça se lit mais c'est pas exceptionnel non plus. On passe clairement du côté super-héros de la force à présent avec les trois derniers. Et on va commencer avec Absolution qui lui est très très bon. Ensuite John Dusk, un super-héros épuisé par le système qui décide de laisser mourir un criminel. Il n'en faudra pas plus pour qu'il bascule du mauvais côté et se mette à éliminer tous les criminels qui croisent son chemin. Bon, le super-héros qui craque, on connaît, c'est pas nouveau, mais Absolution reste quand même pas mal dans son genre. Les réflexions du personnage principal sont bien mises en avant,
Les autres personnages sont intéressants, les retournements de situation sont vraiment sympas, ça se lit très vite et les dessins sont vraiment très cool. Un achat qui ne devrait pas décevoir les fans de super-héros qui sont du mauvais côté de la barrière. Autre super-héros, Marine Man. Bon, franchement, c'est LE comics qui restait je ne sais pas combien de temps sur ma table de nuit, alors que ben, finalement, il était pas mal du tout en fait. On suit cette fois Steve Ocean, un océanographe, plus connu sous le nom de Marine Man, un écologiste et scientifique reconnu, capable de respirer sous l'eau. On le sait bien, on n'arrête pas de vous le dire, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et lorsque l'on a des pouvoirs, être écolo, ça ne suffit pas. Il faut être un super-héros, bien sûr. Bon, c'est vraiment un comics pour tous les âges, bourré d'action, d'humour et d'aventure. Une lecture rafraîchissante pour tous ceux qui aiment le poisson ailleurs que dans leur assiette. Ah oui, au fait, le tome 1, il est intitulé « Une question de vie ou de mer ». Une question de vie ou de mer, mais c'est énorme, non ? Non ? Je passe au suivant, c'est ça ? Ok. Alors, dernier comics pour moi, Superstar. Cette fois, c'est Julien qui vous en a déjà parlé. On suit ici Superstar, un super-héros sous contrat dont la vie est filmée H24. C'est une sorte de super-héros de la télé-réalité, quoi. Et c'est très très important, parce que plus il est apprécié, plus il gagne en puissance. Beaucoup de thèmes sont soulevés, à savoir la relation avec le public, la question de l'image, la confiance en soi, et LA question, comment faire vendre des produits dérivés, séduire le public, bref, être au top de la popularité, tout en cognant sur du méchant. Le principe est absolument génial, c'est un comics à voir. Voilà, c'est terminé pour ce premier tout sûr de la saison 2 de Côté Comics. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres comics Xena qui arrivent à grands pas, rien qu'en octobre. Il y a le deuxième tome de Fight Boys vs Zombie, et il y a Out There tome 1 par Amos. Le deuxième tome, quant à lui, arrivera en novembre. Voilà, c'est également tout pour ce premier numéro de la saison 2 de Côté Comics. On se retrouve très bientôt, et n'hésitez pas à prendre la vie du bon côté, du Côté Comics. Bye tout le monde !